be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Il est chaud. On va parler de ce match. C'est un match très très chaud. Là où est-ce que je vous parle en ce moment, c'est que il y a eu un but. Il ne vient pas. Il doit la jouer cette balle. Alvaro González. Il ne doit pas se baisser. On avait vu le même cas. Rappelez-vous au Parc des Princes avec Boubacar Camara. Et regardez l'erreur d'Alvaro González qui doit la jouer. Il peut la jouer, mais il laisse derrière ce ballon passer pour Moussa Dembélé. Rappelez-vous, ça ressemble vraiment à cette situation et ça relance vraiment ce match parce qu'on l'avait dit. Le troisième but, c'est souvent un cliché, mais c'est très important dans un match de football. González, il a l'air de dire abandon. Deux, voilà, Marseille a fait le match. Ils ont défoncé, ils nous ont tués, il n'y a rien à dire. Ils ont fait le match. On était zéro avec des Traoré qui tombent par terre, qui se blessent, avec Memphis Depay, il n'est même pas là, il est blessé, il n'est même pas là. Depay, on ne peut même pas compter sur lui dans des gros matchs comme ça. Pour une fois que Marseille, comme je vais vous dire aujourd'hui, un côté, je suis dégoûté, c'est nul, on l'a joué. On n'était pas dans le stade. Limite, tu mettais des pios, c'était des plots. Des plots, c'est pareil. Tu mets des plots, c'est pareil. Là, franchement, on n'était pas du tout dans le match. Ils nous ont charbonné tout le match pour une fois que Marseille. Et là, il rabaisse pas son jeu. Tout le match, ils ont charbonné. Il y a même un penalty. Tout une heure pour mettre. Presque une heure pour mettre le penalty, puisque, voilà. Il y avait juste des problèmes de arbitrage, des petites choses de merde. Attendez, je regardais le match, mais de toute façon, c'est fini. Voici la défaite. Je peux même pas, ça m'a dépassé. Franchement, nul. Lyon, nul. Les pénaltys, ils ont mis du temps, c'est vrai, à le mettre le pénalty. Mais franchement, c'est Payet qui a mis le jeu et qui a fait le jeu. Franchement, c'est lui qui a mis toute l'ambiance dans l'équipe Marseille. Mais franchement, Marseille est le top. Là, il y a respect total. Depuis 2014, ils n'ont pas gagné un match contre Lyon depuis 2014. Rappelez-vous bien, depuis le dernier match que Marseille avait gagné. Mais là, aujourd'hui, ils ont gagné. Moi, je suis dégoûté, mais. Franchement, on vous attend les Marseillais, on vous attend le match retour à Lyon. Là, vous avez saccagé le quart de Lyon, vous avez fait le fou, vous avez mis le feu tout le match, vous avez fait votre match. Vous avez gagné, il n'y a pas de souci. Mais le prochain match, il est à nous, à Lyon, ici à Lyon. Vous allez venir à Lyon, nous et vous, on va voir. Mais franchement, là, c'était un beau match. Franchement, je dis la vérité, c'était un beau match. Il y avait du charbon, ça charbonnait de deux côtés. Il y avait du combat. C'est magnifique. Le match, il était au top. Les supporters au top. Tout était au top. C'était vraiment du combat. Mais les Lyonnais n'étaient pas là. Il n'y avait personne. Il n'y avait que des plots qui étaient là. Donc voilà, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo que j'ai énervé. Lyon, on est nul. Je sais même pas si on va peut-être aller en Ligue 2. Le match n'est pas fini, sur ça je vous parle là. Le match n'est pas fini, mais je pense que là, mon but, franchement, j'aimerais vraiment que Marseille finisse derrière Lyon. Mais là, c'est le cas qu'ils vont peut-être finir 3e ou 2e. Et puis voilà, bon, le match est fini. On se retrouve pour la prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Et voilà, bien joué Marseille, c'est bien Marseille, c'est bien. C'est depuis 2014 vous ne nous avez pas battu. Là, vous nous avez battu, vous avez fait votre match. Respect, mais maintenant on vous attend à Lyon. Franchement, là je veux pas trop parler, je suis vénère, je suis énervé. Lyon, ils étaient même pas là. Depuis qu'ils se sont fait saccager le quart quand ils sont arrivés, du coup ils ont pas joué, ils étaient timides, ils savaient pas, ils avaient trop peur. Pour moi, ils avaient trop peur. On a des Traoré et tout, on a plein de joueurs, ils peuvent faire la différence, ils font rien. Donc voilà, là je peux vous dire que bon voilà, ce penalty a lancé le match. Et puis bon ben tant pis, maintenant on va attendre le prochain match à Lyon. Et puis j'espère que chez nous, on va voir qui là. Normalement on devrait même gagner à Lyon. Puisque voilà, vraiment le match il était à Marseille. Bon, après je ne vais pas vous montrer le match dans la télé et tout, parce qu'avec les droits d'auteur et tout, c'est un peu difficile. J'ai pas envie de perdre ma vidéo à cause des droits d'auteur. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, franchement, Marseille, ils ont fait le match parfait, rien à dire. Ils ont charbonné, déjà, l'accueil des Lyonnais, quand ils sont arrivés, ils ont été charbonnés.
et ils se sont laissés influencer. Du coup, Lyon, ils se sont mis faire mettre la pression par tous les supporters de Marseille. Et là, le match était vraiment lancé dès le départ, l'arrivée des joueurs lyonnais. Et puis voilà que le match était vraiment intense et que enfin, je sais même plus comment parler, tellement je suis en pression. Là où je vous parle, là, je suis en pression. Je dis n'importe quoi, ça se trouve, je dis des conneries. Vous n'hésitez pas à me reprendre. Mais franchement, là, le match, j'ai vu le match, c'était la tension, la pression. Il y avait sur tous les matchs, les Marseillais étaient, franchement, c'était leur match. Là, il n'y a rien à dire, c'était leur match. Contre Paris, ils n'arrivent pas à le faire, c'est trop dur. Mais contre Lyon, là, vous mettez toute la puissance, là, puisque vous savez que vous pouvez le faire. Bon, là, vous avez réussi, puisque c'est vrai que ça fait depuis 2014 que vous n'avez pas battu l'Olympique Lyonnais. Donc, voilà. Moi, je ne veux pas être trop vénère, c'est pour une fois qu'on perd un peu contre Marseille, voilà. Mais le prochain match, il faut qu'on gagne à Lyon. Justement, on va gagner chez nous. Et puis, on verra qui. Ça, c'est le derby du championnat de France. Franchement, ça, c'est un beau derby. Pour moi, c'est un très beau match. C'est un match de bonne qualité, puisqu'au moins, il y avait du combat et tout. Mais sauf que là, il y avait moitié comparé. En fait, c'était plus Marseille qui donnait tout son cœur et tout. Et Lyon qui encaissait jusqu'à prendre 2 buts. Et après, qui commençait à avoir des petites occasions et de chance qu'on a mis ce but-là. C'est un but de chance. Mais franchement, moi, je dis, ce match-là, c'était quasiment à Marseille. C'était le match de Marseille. Et franchement, je peux rien dire. J'ai même pas besoin d'être énervé. De toute façon, ça fait tellement longtemps que Marseille nous avait pas battu. Alors, si c'était comme quoi Marseille nous battait tout le temps et tout ça, ça aurait été énervant. Mais là, ils nous battent pas tout le temps. Donc, ils nous ont battus, ça change un peu. Bon, voilà, ça change de la dernière vidéo que j'avais fait contre Marseille, qu'on avait gagné, que j'étais content et tout. Maintenant, aujourd'hui, c'est une vidéo que, voilà, on a perdu contre Marseille. On a perdu contre Saint-Etienne, on a perdu contre Marseille, on a perdu contre Paris, donc la saison de Lyon, on va dire, quasiment, elle est nulle, 0-0, il n'y a rien à dire, 0. Maintenant, on peut quand même essayer de se rattraper par rapport à la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, mais je pense que, pour moi, si on n'est pas devant Marseille, elle sera 0. La saison de Lyon, 0-0, rien. Ce serait nul, archi nul. Bon, après, il y a encore une chance qu'on puisse revenir doucement dans le classement. Mais là, on est déjà très loin. Je regarde même plus le classement, parce que là, on est presque dans les relégations. On est dans les 13e, 14e, un peu comme ça, peut-être 11e, même. Peut-être 18e, je ne sais même pas. J'ai même pas regardé le classement. Je crois qu'on est 13e, un truc comme ça, ou peut-être 15e, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai tout ce que je peux vous dire. Bravo les Marseillais, bravo. Je vous dis encore une fois, bravo. Vous avez fait le match plein, carton plein, il n'y a rien à dire. J'ai aimé les supporters, ils étaient au top. Franchement, ils étaient tous à fond. Franchement, Marseille, comme je vous ai dit, quand il y avait la Coupe d'Afrique, Marseille, c'est l'Algérie, hein. C'est pareil que l'Algérie. Ils sont à fond, au taquet. Et bien là, c'était pareil. À fond jusqu'à l'arbitre ici. Donc, ils ont fait leur match. Bon, y a rien à dire, vous nous avez battu. Maintenant, attends le match aller. Le match aller, je referai cette vidéo, mais dans le stade. Évidemment, je serai certainement dans le stade. Et j'espère que ça sera un bon match pour nous, autant que Lyonnais, puisque là, 0 Lyon, la saison, allez, les quêtes, c'est fini. Bon, ben, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et j'ai fait une dédicace à monsieur Sami Bentayla, qui voulait sa dédicace avec son fils. Bon, je ne me rappelle plus de ton fils, je redédicacerai. Une dédicace pour la prochaine vidéo ton fils, le nom de ton fils, je sais plus c'est quoi le nom de ton fils, Sami. Tu m'avais demandé une dédicace, je te la fais en direct. Le nom de ton fils, c'est Sami. D'abord, c'est mon pote, c'est Sami Bentayla. Sami Bentayla, je dis bien ton nom parce qu'il va me dire tu n'as pas bien dit le nom et tout, etc. Alors, le nom de son fils, c'est Sami Bentayla, c'est. Attendez que je vous le dise, puisque monsieur Sami tient à ce que je dise le nom de son fils aussi. Alors je veux dire, la dédicace est à Sami Bentayla. Je regarde, attendez, sur son message. Et à son fils Chouad. Voilà, Chouad Bentayla. Voilà, je t'ai fait ta dédicace, une grosse dédicace à toi et ton fils Chouad. Si je l'ai bien dit, tu me diras si je l'ai bien dit ou pas. Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, on a perdu, qu'est-ce que vous voulez. On a perdu, on ne peut pas toujours gagner. Bon. De toute façon, la Ligue des Champions, je regarde plus. Je dis on a gagné ou quoi, mais je regarde pas. Moi, c'est ce qui m'impose.
c'est la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, c'est tout. Jusqu'à la Ligue des Champions, c'est mort, hein, c'est mort. Là, on fait des matchs, c'est juste pour gagner un peu de flouze, juste pour acheter des joueurs, c'est tout, mais c'est nul, c'est nul. Bon, je vous laisse et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà, moi, je suis dégoûté. Je vais boire mon maté tranquillement, je vais aller dormir, je sais pas ce que je vais faire. Donc, là, Lyon 0. Bon, ben, là, je sais même plus quoi dire, là, c'est tendu. Et félicitations à Marseille, félicitations. Ciao, salut. Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I be like, there she go.